En ce moment, impossible de les manquer, car c'est un véritable triomphe. C'est juste à côté. C'est au Palais des Congrès. C'est Notre-Dame de Paris, Quasimodo, Frollo, Phébus. Ils sont avec nous. Et on s'est rendu compte en les écoutant qu'il n'y a pas que la victoire qui est belle. Esmeralda, elle est pas mal non plus. C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Quand elle danse et qu'elle met son corps à jour, telle un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Et celui qui lui jettera la première pierre, celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oh Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Est-ce le diable qui s'est incarné en elle pour détourner mes yeux du Dieu éternel qui a mis dans mon être ce désir charnel pour m'empêcher de regarder vers le ciel? Elle porte en elle le péché. Oh, laisse-moi rien qu'une fois pousser la porte du jardin d'Esmeralda. Belle, malgré ses grands yeux noirs qui vous ensorcellent, la demoiselle serait-elle encore plus celle? Quand ses mouvements me font voir monts et merveilles, sous son chiffon aux couleurs de l'arc-en-ciel. Homme de foi, j'irai cueillir la fleur d'amour d'Esmeralda. Celui-là ne mérite pas d'être sur terre.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Quasimodo, Garou, Frollo, Daniel Lavoie et Phébus, Patrick Fiori. Merci.